bien, salut tout le monde, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, quoique là il pleut et puis j'ai plus de nouvelles de Mia, mais jusque là tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur Green Hell. J'espère énormément que cette série vous plaît. Je tourne cet épisode à la suite du dernier, donc je ne sais absolument pas si vous avez bien accueilli la série, mais je vous fais confiance, je sais que vous m'avez liké à fond la vidéo et j'espère que ce deuxième épisode va vous plaire également. Donc on s'en était arrêté ici, on est dans notre campement, Mia elle est partie dans une tribu, donc on va dire indigène hein, pour pas dire le nom qui est assez complexe. Attendez, il me semble que c'est écrit ici. Non pas du tout, c'est pas écrit là, bon peu importe, pardon. Donc on est là pour aller examiner des plantes si j'ai bien compris. Donc là on va examiner d'ailleurs le tableau d'affichage qui est juste ici, qu'on avait déjà regardé dans le précédent épisode. C'est absolument pas ça qu'il faut regarder. Examiner le tableau d'affichage, c'est ici. C'est ici, ok, donc on va tout examiner. Et le but du jeu ça va être d'explorer et de voir un petit peu les nouveaux spécimens de plantes végétales. Enfin les nouveaux végétaux si j'ai bien compris. Donc ça on l'a lu. Voilà, c'est les Yabawaka. Là où Mia est allée dans leur village. Là ça on avait également lu avec les grenouilles. Ici ça on n'a pas lu. Ça on n'a pas lu. Les feuilles de tabac sont très efficaces pour les morsures envenimées, mais est-ce qu'elles peuvent guérir autre chose? J'en ai vu au nord du camp, il y en a plein de l'autre côté d'un rocher à escalader, c'est l'endroit parfait pour commencer. Très bien, donc vous l'aurez compris, notre objectif pour commencer ça va être ça je pense, chercher des feuilles de tabac qui vont nous permettre de nous soigner j'imagine de toute morsure, mais pas seulement. Ici, mammifère tropicaux, ça on avait lu, faut que j'arrête de faire échappe, hein, excusez-moi. Et ici donc c'est la tribu perdue, donc ça on avait déjà vu, très bien. Aller au nord et trouver du tabac, c'est bien ce que je me disais. On peut regarder notre smartwatch. Faites défiler avec la molette de la souris pour changer les options de la montre, sérieusement? Oh, c'est excellent, oh oui, donc il va falloir aller au nord, donc par là-bas, très bien, c'est excellent. Donc on a accès à l'heure, le jour, notre état de santé et donc la position, c'est incroyable. Donc on va aller direction nord, ce qui m'embête un peu c'est qu'il pleut, donc rien que pour ça c'est un peu compliqué. Je suis tout seul avec une machette, j'ai quoi dans mon inventaire? Il me semble que j'ai deux machettes, hein. Ouais j'en ai deux, parfait. Donc on va faire avec, on va essayer de récolter un petit peu des petits trucs tant qu'on y est. Va falloir qu'on passe par la gadoue. C'est génial, attendez. On est d'accord que dans le premier épisode, quand il faisait beau, l'eau elle était propre. On est d'accord? Bon. Allez, on y va. Je trouve ça incroyable, hein. Les petits détails du jeu qui font extrêmement plaisir, c'est toujours plaisant. Donc, direction nord, ça va être par là-bas. Ah bah voilà, le rocher à escalader dont il parlait. C'est parti, on va grimper. Alors la question c'est, est-ce que la corde a été mise par nous? J'imagine que oui. Si j'ai bien compris, en fait, on était déjà là auparavant, hein, puisque le campement était déjà en place. Et que... Oh, what? Oh, fuck me. Oh non. Oh, bah ça, c'est trop... C'est trop moche. Je me suis cassé la... Mia. La binette. I knew I was supposed to not call, but... A line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Donc je rappelle évidemment que Mia ne peut pas trop nous parler avec la technologie parce que ça fait forcément peur au à la tribu. Ok, donc maintenez pour ouvrir le menu circulaire, examen corporel. Donc c'est ça qu'il faudra vraiment regarder régulièrement. Très bien, donc je peux pivoter. D'accord. Alors où est la blessure? Faut localiser la blessure, hein, si j'ai bien compris. Ah bah, j'ai pas de blessure mon pote. On est d'accord que j'ai pas de blessure là? Non? Attendez, hein, parce que je suis peut-être un peu teubé. Mais moi je vois pas de blessure. Hein. Comment je fais? Oh, d'accord, on peut changer. Ah oui, donc là je suis carrément, carrément blessé. Hein. Donc là évidemment... That's definitely not good. Ah oui, c'est pas très beau. Là tout de suite ça me donne envie de vomir. Pour le coup, donc je vais appeler Mia. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? C'est incroyable. C'est comme dans la vraie vie. Hein. C'est ma copine qui m'apprend tout. Ça fait plaisir. Bah du coup non. J'aimerais bien que tu m'expliques. Comment on fait pour se soigner? Look for Molineria. It has long leaves without any markings. D'accord. And is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. Okay, you donc. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Ok, on a même des infos. Over and out. Ok.
Bien évidemment, on termine toujours nos phrases par je t'aime, hein, s'il te plaît. Du coup, trouver une molinéria et récolter ses feuilles pour fabriquer un pansement. Vous pouvez regarder à quoi ressemble cette plante dans l'onglet carnet plante. Donc je peux aller dans mon carnet et dans l'onglet plante juste ici, molinéria. Donc ça ressemble, voilà, c'est des longues feuilles. Je suis sûr que j'en ai déjà vu et elles ont des petites fleurs jaunes. Là, qu'est-ce que c'est? Macro élément du coup. Je sais pas ce que c'est. Très bien, donc on va aller en chercher. Pas évident avec la pluie. C'est assez, assez monotone. Et en même temps, c'est beau. Je trouve ça beau. Genre, les couleurs sont forcément... Là, il y en a. Voilà, j'en ai là. Donc j'imagine qu'il va falloir que je casse. Pour récupérer. Très bien. Feuille de molinaria. Parfait. Fabriquer un pansement. Donc on va faire fabriquer. Alors, où c'est que j'en ai? J'en ai là. Feuille de molinaria. Donc j'imagine que je vais les mettre ici. À fabriquer. Parfait. Et bien voilà, maintenant j'ai un pansement. Est-ce que je peux l'utiliser? Pour utiliser un pansement, ouvrez l'examen corporel. Très bien. Alors d'abord, ce que je vais faire, si vous permettez, c'est que je vais en crafter d'autres à l'avance, d'accord? Voilà, hop. Ah, on peut pas, il faut faire l'un après l'autre. Donc fabriquer. Ah oui, c'est très réaliste parce que c'est très très chiant et très très long à faire, hein, vraiment. Hein. Feuille de molinaria, fabriquer. Voilà, donc là j'ai 3 pansements sur moi. Et donc là j'ai plus qu'à faire examiner. Trouver l'endroit de la blessure. Et là normalement, si j'ai bien compris, on prend le sac à dos, je prends le pansement et je le glisse. Voilà. Parfait. J'adore. C'est très réaliste pour le coup. Ça me plaît beaucoup. Ah, il faut encore que j'appelle Mia là, je vais encore la déranger. Elle va me quitter dans la jungle, ça va être incroyable. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Oh oui, j'ai mal, je suis un bébé cadom. Pas beaucoup, je souffre le martyr. Maintenant, je vais dire pas beaucoup et je vais faire mon bonhomme quand même. Not much. Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Incroyable. Donc en fait, non seulement qu'il y a plusieurs tribus. Ok, là on est jour 32, Jake, les gars. Please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Oh putain. Oh putain. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! Non, ok, donc là. What's going on over there? Oh punaise, oh les gars, non. Ok, trouver Mia, eh ben mon pote, je vais courir. Je vais courir, visiblement ça s'est pas bien passé, hein. Visiblement. Et c'est la fin du tutoriel. Ah. Coup dur. Hello. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Joder.
Ah. Ah. Et nous voici perdus, loin de notre camp. Mia. Sans aucune nouvelle de Mia. Très bien. Alors, petit point graphique, hein, disons-le quand même, parce que juste, on peut quand même souligner le fait que c'est magnifique. À part ça, rien ne va. Allô? Hello? Can anyone hear me? Très bien. I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Très bien, une nouvelle entrée a été ajoutée. Appuyez sur N pour l'ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Mia. Elle m'a appelé depuis un village indien. De quoi avait-elle peur? Qu'est-ce que je fuyais? Fait, c'est le 33e jour de l'expédition. Mon carnet est trempé, je n'ai aucun matériel avec moi. Mia me répond pas. Ce qui est incroyable, les amis, c'est que ça, ça va m'éviter de vous saouler, mais vraiment. Parce que moi, j'ai une lubie dans mes let's play, je m'en excuse, c'est que dès que je comprends quelque chose, alors que je sais très bien que vous l'avez compris, j'ai besoin de vous faire comprendre ce que j'ai compris, alors que vous-même l'avez déjà compris. Alors que là, tout est écrit, donc j'ai même pas besoin de répéter ce que vous voyez, c'est excellent. Eh ben, c'est nickel, enfin, pas vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Si, évidemment, ça me paraît logique. Dans un premier lieu, on va essayer de retrouver Mia, de retrouver notre camp. Peut-être de repartir éventuellement. Alors là, attendez, c'est une blague, j'ai plus rien. Eh oui, je n'ai totalement plus rien sur moi. Donc l'aventure commence ici, les amis, hein, réellement. Donc j'imagine, vous savez quoi, il faut qu'on ramasse des pierres. Il faut qu'on ramasse des pierres. En tant que professionnel de la survie, je vous assure que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais vraiment, je suis sûr que je peux fabriquer quelque chose avec. Attendez, si je fais ça, je peux pas le prendre. Non, malheureusement, je peux pas. Il me faut des petites pierres, attendez. Grosse pierre. Il me faudra des petites pierres, les gars. Là, il n'y a rien. Oh, c'est beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on a des petites pierres à quelque part? Ah, je suis pas bien, là, les amis. Vraiment. Hein. Et je peux... Non, je peux pas appeler... Ouais, j'ai 61% de batterie. Oh là là. La batterie du Tokiwoki va pas tenir longtemps. Hein. Du coup... Attends, il faut que je regarde ma smartwatch. Alors. C'est bon, tout va bien. Bon. Il faut qu'on trouve de quoi, parce que je vais éviter de m'esquinter les mains quand même. Donc j'aimerais bien des petites pierres. Ah mais attendez, mais je suis un tocard, excusez-moi. Vous allez m'incendier. Je vais prendre une grosse pierre et je vais l'utiliser tout simplement pour casser ça là. C'est possible? Ah non, visiblement c'est pas possible. Bon bah, tu vois. Est-ce que je peux casser la main? Non, je peux pas. Je ne peux pas. Ramasser, récolter, détruire. Bah je récolte, et ben voilà, on pouvait, d'accord, et ben ça c'est bon à savoir. J'ai récolté tout ce que j'avais besoin, donc fabriqué. Et j'avais vu un truc, normalement, si je prends les deux petites pierres, une pierre, deux pierres, je peux faire une pierre affûtée. Et donc avec ça, normalement, ça me fait une sorte d'arme finalement. Et là je peux, parfait, je suis un beau gosse. Nickel. On va casser ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah bah ça nous donne des feuilles. Est-ce que je peux... Eh bah voilà. Je peux ramasser. Ah oui, mais ramasser c'est pas pareil que récolter. Hein. Ça faut vraiment faire la nuance. Donc j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Attendez, j'ai des nouvelles entrées. Donc si j'appuie sur N, voilà. H de pierre. Ah bah parfait. H de pierre, bâton plus pierre. Eh bah nickel. Eh bah on va chercher des bâtons les gars. On va chercher des bâtons. Est-ce que... non ça c'est pas des bâtons. Là. Est-ce que ça va me donner des bâtons? Je n'en suis pas sûr. On va essayer de se faire une hache, les amis. Là, je suis en train de m'épuiser, les gars. Bon, visiblement. Oh, j'ai cassé ma pierre. Très bien. Bah, j'ai cassé ma pierre, les amis. Incroyable. Là, il y a des bâtons. Ah bah, j'ai l'air bien con. Puisque du coup, j'ai plus de pierre affûtée. Oh, c'est un calvaire, les amis. Mais c'est bon. Au moins, j'ai compris la mécanique du jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Alors il me semble qu'il y avait une pierre à quelque part là. Il n'y avait pas une autre pierre à quelque part? Arrête. Non, parce que je t'explique, si j'ai pas de pierre, je suis dans le calvaire. Hein. Oh, des poissons. Bon. Oh. Prendre feuille de palmier. Excellent. Ça me sert à rien pour le moment, mais excellent. J'aime bien ce petit coin là. Bon, j'aimerais surtout de la pierre. J'aimerais une pierre. Wow.
Excellent. Excellent, excellent. Très dangereux par ici. Hein. Je fais un petit peu le tour de ce spot. Je sais pas si on va y rester ou... Ah ouais, on peut vraiment aller où on veut, vous avez vu. Oh là là, attendez. Je tente un truc, hein, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Voilà. Ah, c'est sympa ici. J'aime beaucoup. Mais y'a pas de pierre. Donc c'est relou en fait. Y'a pas de pierre. Allez, demi-tour. Bon, les amis, on fait comment là si on n'a pas de pierre? Eh ben, on va tout simplement aller se faire foutre. On va progresser, hein. On va traverser le pont et puis on va partir. Hein. Tout simplement. Hein. Ah ouais, moi je cours, j'ai pas peur. Hein. Y'a quelque chose. Ah, de la pierre, yes! Attendez, bougez pas. C'est bon, on va faire demi-tour. Est-ce que je peux refaire demi-tour? Est-ce que c'est possible? Oui. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir prendre du bois. Et je vais me faire une hache. Et ça, c'est bien. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on craft. Il faut vraiment que je m'y fasse. Fabriquer. Je prends mes deux petites pierres. Hop et hop. Pierre affûtée. Impeccable. Ensuite, on prend du bois. Parfait. Ensuite, on prend... Alors ça, c'est un long bâton, ça me plaît pas. Je prends des petits bâtons. Voilà, bah d'ailleurs, je peux les casser de toute façon, les longs bâtons. Pas de problème à ce niveau-là. J'y arrive pas. J'arrive pas, bon. Je vais quand même les... Ah non, je peux rien faire. Bon, attendez, c'est pas grave. On va faire ça simplement. Fabriquer. Tac, je prends un bâton. Je prends une pierre. Et ça me fait une hache. Incroyable. Et avec cette hache, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, les amis? Eh bien, casser le long bâton pour avoir des petits bâtons. Incroyable. Ça se passe bien, les amis. Je commence à tout comprendre. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. La mécanique me plaît énormément. Donc, je vais couper ce bois-là pour récolter un maximum de bâtons qui pourront nous être très utiles. Je ne sais pas combien on peut en avoir sur soi. Donc, écoutez, on va quand même se faire un petit stock. Hein. J'imagine bien qu'on n'a pas un inventaire illimité. Hein. Voilà, on va prendre tout ça. Ah, ça y est, pas de place dans le sac à dos. Fallait bien au bout d'un moment. Est-ce que je peux prendre ça quand même? Ah bah, de toute façon, c'est des feuilles de palmier. Est-ce que... Ah non, c'est des feuilles de bananier. Est-ce que je peux... Si je fais détruire, il se passe quoi? Ah ok, ça disparaît juste. Très bien. C'était juste pour savoir si ça allait pas faire un truc incroyable. Là-bas, il y a quoi? C'est beau. Hein. J'ai vraiment envie de tout explorer, les amis. J'ai vraiment envie de ne rien louper. Je veux vraiment en louper aucune miette de ce jeu. C'est une pépite. Oh, regardez, une petite caverne, là. Oh, excellent. Oh, mais c'est excellent. On a une petite caverne comme ça. Là, c'est vraiment l'endroit parfait pour s'installer. Si vous voulez mon avis. Par là, on a quoi? Mais en vrai, c'est un petit spot sympa ici. Hein. Je sais... En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, on est plus ou moins en zone safe. En plus, là, on a une source d'eau. On a des poissons. Franchement, ici, on est dans une zone safe. Enfin, c'est mon impression. Il y a des bruits qui font peur. Hein. Ah, moi, je suis pas très très serein avec tout ce qui est jungle amazonienne, hein, forcément. La tribu qui nous a pourchassé, visiblement, c'est un petit peu pareil. Assez terrible histoire quand même. Hein. Je vois que ma jauge de santé et tout, c'est pas trop ça. Normalement, je peux encore mieux voir ici. Très bien. 15h58. Le soleil va se coucher dans pas très longtemps. Et ça, ça ne me plaît pas. On va continuer, les amis, de se promener. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peut-être pas la meilleure stratégie. Là, je vois des fleurs. Incroyable. Est-ce que je peux peut-être les récupérer? Eh ben, visiblement, c'est pas comme ça que ça marche. Très bien. What? Ok, il y a des oiseaux qui m'ont fait extrêmement peur, on va pas se mentir. Alors, voyons voir. Ah! Mais il est fou! Mais c'est quoi ça, c'est un chat? Sans déconner là? Bon, regardons si on a des trucs, regardez. Alors, trouver de l'aide. Ah bah voilà, il faut qu'on trouve de l'aide. Parfait, ça on l'a fait. Ah, on peut faire une torche, bâton plus corde. Excellent, excellent, on va faire ça. On va faire ça. Là, santé mentale, effet hallucination, traitement connu. Consommation du produit possédant un antistress naturel pour restaurer votre santé mentale. On a vraiment tout plein d'astuces si jamais on est dans la galère. Et ça, c'est extrêmement cool. Corde, récolter machin, très bien. Là, on peut faire charpente. Oh, on peut crafter plein de choses, des murs. On peut vraiment se protéger. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est quoi ça comme animal? Je sais pas c'est quoi comme animal. Mais ça fait un peu peur.
Bon, là, le but du jeu... Oh, des champignons. On va les prendre. Ils sont inconnus. Autant les prendre. Ça veut pas dire qu'on va les manger spécifiquement, mais... Il faut absolument qu'on trouve de l'aide. Hein. Donc c'est pour ça, je vais me permettre... Oh, une grenouille. Je peux la prendre. Oh, merde. Oh, mais je suis un tocard. Je suis un tocard. Ok, alors attendez, comment on fait pour se soigner? Tac, égratignure, hein. Fièvre. Effet, réduit l'énergie sur la durée des hydratations. Ok, c'est ça. Traitement connu. Votre corps peut se remettre naturellement. Ou sinon, concocter une infusion de plantes aux propriétés antipyrétiques. Ah, mais c'est bon. Ça va se résoudre tout seul, du coup. Bon, bah, faudra plus faire ça, hein, à l'avenir. Hein. Faudra plus toucher les grenouilles. Hein. Ah, non, mais là, je crois que je suis vraiment dans le mal, les amis. Hein. Si je regarde ma... Là, je suis dans le mal, les amis. Ça ne me plaît pas. Je peux pas... attendez. Si je fais ça, examiner... Est-ce que je peux voir peut-être une partie de mon corps... Ouais, non, ça, c'est vraiment les parties physiques. Alors que là, je suis juste empoisonné, globalement, donc... Alors, les amis, on va se faire une torche. On va se faire une torche, c'est dit, c'est fait. Fabriquer. J'ai tout ce qu'il me faut. Un bâton. Et de la corde. Ah mais j'ai pas de corde. Coup dur. J'ai pas de corde. Mais j'ai des lianes normalement. Non? Mais attendez, j'ai... Ah ici, pardon, j'avais pas vu. Normalement j'ai ce qu'il me faut là. Arrête tes conneries. Elles sont où les cordes? Eh bah je sais pas. Eh bah j'ai perdu mes cordes, les amis. Par contre je vais juste récupérer le bâton que j'ai jeté. Eh franchement je ne le sens pas du tout. Je vais continuer d'avancer. Ah là voilà, des lianes. Alors attendez, est-ce que je peux? Voilà, là ça me donne des cordes. Mais oui, c'est vrai, je suis bête, j'avais perdu mon inventaire. Donc forcément j'avais pas de cordes sur moi. Parfait, donc là maintenant je vais pouvoir faire fabriquer. Voilà, je prends une corde. Et un bâton. Bah les bâtons ils étaient là. Et là ça me fait une torche, parfait. Par contre il va falloir l'allumer la torche aussi. Alors comment on fait pour l'allumer? Très bonne question. J'imagine qu'il va falloir crapaud. Est-ce que je le prends? Allez. Vous êtes en train de vous déshydrater et trouver quelque chose à boire. Oh là là. Bah ouais, mais mon copain, est-ce que je peux boire? Allez hein. On va boire la source hein. C'est pas bon hein, mais bon. Ok, bon, au moins j'ai bu. Mais niveau santé, c'est pas bon. Est-ce que peut-être... Ah non, j'ai pas de plantes sur moi, j'ai vraiment plus rien en fait. Le soleil se couche, on voit vraiment rien. Oh, une banane. Excellent, des bananes, c'est bon ça. On va en prendre masse, hein. Moi je vous dis direct. Hein. Voilà, ça c'est fait, ça c'est les meilleurs arbres. Hein. Les bananes, c'est parfait. Vous perdez des forces. Pour retrouver des énergies, utilisez un lit ou appuyez sur C et choisissez dormir pour dormir par terre. Ah ouais, c'est vraiment pas une bonne idée, mais... Donc là je peux dormir. Est-ce que je dors par terre? En vrai si je dors par terre personne va m'attaquer ici. On est dans un spot assez calme. Regardez, je me mets dans les feuilles là. Derrière ce rocher. Voilà. Puis on va dormir. Allez, on fait ça les amis. Si jamais je me réveille pas, RIP. Et bah voilà. Et bah voilà. Fallait bien que ça arrive. Vous êtes mort, tué par empoisonnement. Allez, ça c'est fait. Bon, bah les amis, c'est pas grave. On va reprendre la partie là où on en était. On va recommencer. C'est bien, il faut que ça nous arrive maintenant, les amis. Vraiment. Il faut que ça nous arrive maintenant pour apprendre de nos erreurs. Hein. C'est le but du jeu, les amis, parce que vraiment, si ça nous arrivait après, ce serait un petit peu plus compliqué. Donc là, on reprend depuis ici. Can anyone hear me? Donc c'est parfait, au moins on ne fera plus les mêmes erreurs. I had an accident. Ouais. Tais-toi. Alors attends, comment je fais? Help. Over. Hop, donc là je récolte les pierres. Toutes les pierres que je vais voir, je vais les récolter comme ça. Mais je savais qu'il y en avait plusieurs. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant on va monter. Mais on va se faire un spot, on va se faire un spot les amis, vous inquiétez pas. On va se faire un feu, on va se mettre bien. Je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire. Fabriquer. Alors, les petites pierres. Bang, bang. Régale-moi. Nickel. Ensuite ça c'est pour Bibi. On va pas traîner hein. Vraiment là je veux qu'on passe une nuit agréable. Alors là c'est, voilà, j'ai des petits bâtons.
Parfait. Ensuite, on fait ça. Fabriquer. Bâton. Pierre. Feuille, ciseaux. Hop. Nickel. On va récolter un maximum de bâtons. Maintenant que j'essaie de faire un feu, ça va être parfait. Tac. On prend vraiment tout ce qu'on peut. On se fait plaisir. Hein. Ok, ça c'est fait. Bah d'ailleurs, je vais casser celui-là. Oh ouais. Oh, c'est efficace. Hein. C'est efficace. Et vous savez quoi, pour le coup, on va vraiment s'installer. Voilà, je prends le grand bâton sur moi, ce sera pas mal. On va s'installer là où j'avais trouvé le petit spot sympa. Alors, pour le coup, je connais pas, mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait de s'installer là-bas. Mais en même temps, c'est un petit coin qui est safe. C'est assez plaisant. Donc on va quand même s'installer ici, les amis. Non, en vrai, c'est un petit coin safe. Hein. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Donc, comment on fait? On fait, il me semble, carnet. On cherche. On cherche. C'est ici, pardon, le petit feu. Alors ça peut attirer l'attention, hein. Ça c'est ce qui est... Ah oui, parce qu'il faut savoir que je pense qu'on est quand même pour chasser, hein, si je puis me permettre. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va faire ça bien. Des petits bâtons, ok. Alors j'ai pas de petits bâtons, ça va être assez pénible. Donc on va... Heureusement que j'ai ramené ça. Voilà. S'il te plaît. Parfait. J'en aurais pas assez. Si, c'est bon, impeccable. Nickel. Ça c'est fait. Maintenant il faut allumer le feu, faire les braises. Bon, maintenant j'ai appris de mes erreurs. D'ailleurs on va prendre les lianes de ce pas directement, très important. Ça va nous être très utile. Je sais comment maintenant faire du feu, donc ça c'est cool. On va s'en occuper. Donc je vais prendre ça. Alors je vais utiliser... Ouais. Oh, c'était quoi ce cri? Ouais, les oiseaux ils font peur. Hein. On va prendre ça. J'aimerais des feuilles. Ouais, oh, feuilles de bananier, j'adore les bananes. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ah mais il y en a encore là. Parce que tout ça, ça va être des bananes qui vont pousser, on est d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Et donc là je vais ici. Et si j'ai bien compris, je fais un vent. Alors attendez, je sais plus comment on fait. Ramasser, fabriquer. Ah mince, non, je sais plus comment on fait. Ah oui, non, ça marche pas comme ça, c'est vrai. Attends, j'ai appris de mes erreurs. On va ramasser ça parce que ça nous sert à rien. En fait ça va nous servir à rien. Enfin, elles sont pas sèches visiblement. Il nous faut un nid. Faut qu'on trouve un nid. Eh ben bonne chance pour trouver un nid. Attendez, vérifions quand même. Petit feu, ouais. Ça doit être ici, non. Piège à pierre, on peut faire des pièges et tout. Y a pas un truc pour allumer le feu là? Pour savoir comment allumer un... Trouver de l'aide, donc ça évidemment. Pierre affûtée, torche. Ah, on peut faire un petit abri. Oh, permet de sauvegarder une partie. Excellent. Un lit. Ok, une hutte. Oh là là, rangement. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a à faire. Mais en fait, c'est super simple. Le jeu avait l'air complexe, mais en fait, c'est simple. Eh ben, on va se faire un petit abri. Hein ? On va faire le plus simple. Feuille de palmier, ça tombe bien, on en a pas mal. Alors, où c'est qu'on pourrait le mettre ? Je ne sais pas. Parce que là, ça rentrera pas, on est bien d'accord. Ah, par contre, j'ai quitté le truc. Hop. Alors, faire pivoter, on fait comment ? Comment on fait pivoter ? Ouais. J'arrive pas à le faire pivoter, les gars. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, est-ce que je peux... Ça me fait vraiment penser à Koh-Lanta. Hein. Je peux pas le mettre là, visiblement. Eh ben, c'est pas grave. On va le faire en bas, le campement. Ce sera pas mal, près de l'eau. Au moins, on se sentira un peu... Ah, ou alors là. En vrai, ici, là, sur ce coin de hauteur, ça peut être pas mal. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis sûr que vous trouvez ça bien. Et on va le mettre en direction... Comme ça. En direction de la zone safe. Je pense que c'est une bonne idée. On va le mettre comme ça. Parfait. Là en direction c'est nickel. En plus ce qui est bien c'est qu'on est caché avec les feuilles de palmier. Donc est-ce que je peux déjà fabriquer? Il me faut des bûches. Il me faut des bûches. Il me faut ça. Je vais casser tant qu'on y est. Ça dégage, ça me dérange. Voilà, un tas de petites feuilles. Il me faut des bûches. Donc faut commencer dans l'ordre. Ah oui, c'est ça ce qui est bien. C'est qu'en fait il faut vraiment faire ça dans l'ordre. Faut d'abord mettre les bûches. Bah c'est logique. C'est quoi ces bruits, sérieusement? Ça fait extrêmement peur. Bon, on va récolter des bûches. J'imagine qu'en coupant ça, ça nous donnera des bûches. Peut-être pas. J'arrive pas à le casser. J'ai l'impression que ça sert à rien. Oh non, j'ai cassé mon... ma hache. Ok, bon bah nickel. Eh bah c'est nickel. Comment on fait pour fabriquer une meilleure hache? Parce que là, j'ai bien l'impression que c'est un peu compliqué. Alors attendez, il faut qu'on se renseigne partout. Hein. C'est pas ici qu'on voit les outils. Si, torche, corde, bandage, pierre affûtée, hache de pierre. Ouais, pour le moment, il n'y a pas d'upgrade. Hein. Donc, on n'a pas le choix de...
Eh bien, de faire à l'ancienne. C'est un peu à la guerre comme à la guerre, quoi. Hein. Ah, et puis j'ai plus de bâton. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Heureusement que j'ai encore mes petites pierres là pour casser. Ah ouais, j'ai la jauge de vie des items en bas à droite, là. Je viens de capter, très bien. Donc, les petits bâtons, c'est pour Bibi. Hop, fabriquer. Une petite hache en pierre. Voilà, régale-moi. On va ramasser ce long bâton. Et est-ce que je peux ramasser en même temps? Non, je peux pas tout faire en même temps. En fait, je vais l'amener ici directement. C'est quoi ce bruit? Il y a de l'orage? J'ai entendu un bruit de grondement de tonnerre là, ça me plaît pas trop. Hein. Ça ne me plaît pas trop vu les circonstances, si vous voulez mon avis. Mais bon, si ça vous fait plaisir. Voilà. On va ramener ça là-bas aussi. Mais est-ce que je peux couper un arbre au moins du coup là? Parce qu'il me faut des troncs d'arbres, mais mon pote, il y en a pas ici. Enfin, je peux pas casser les palmiers avec ma hache. Ça me donne pas de troncs. Y a pas des gros arbres normaux là? Ah bah là. Ça. Ah mais ça faut que j'arrive à le casser quoi. Je vais pas y arriver. Eh ben je crois que on va pas pouvoir se faire un abri. Hein. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on peut oublier notre abri. Le plus important sinon, ce serait de faire un lit. Ouais, le plus important ce serait de faire un lit les amis en vrai. En vrai de vrai. Alors où c'est que c'est? Petit feu. Ah mince, je sais plus. Ah c'est là. Petit abri lit en feuille. Feuille de palmier, ça c'est simple à faire, on va le mettre là. Ah mais non mais les gars, on va le mettre là-haut. Excusez-moi, je change tout le temps d'avis, mais on va se mettre à l'abri tant qu'on y est. Normalement ça devrait rentrer là. Mais évidemment, regardez, mais c'est fantastique les gars. Hop. Et ben voilà. On va le mettre là. Lit en feuille. Hop. Et ben régale-moi, il faut mettre des feuilles de palmier. Il me semble que j'en avais là, parfait. Régale-moi, on va ramasser tout ça. Et on va les mettre. Ah génial, c'est des feuilles de palmier alors que moi c'est des feuilles de bananier que j'ai. Eh ben c'est génial, on va aller se faire foutre. Attendez, bougez pas. On sait jamais s'il y avait besoin de... Non. Bon, il nous faut des feuilles de palmier, hein, pas de doute. Bah c'est ça du palmier. C'est bon. Tout va bien. Eh ben voilà, feuilles de palmier. Régale-moi. Je peux en ramasser combien? Je peux en ramasser pas mal. Ah ouais, c'est bon ça. Allez, comme ça on sera sûr de pouvoir passer la nuit. Parce que là pour le moment on n'est pas empoisonné, on a une bonne santé et on est à l'abri. Donc là on va pouvoir dormir sans mourir. Je pense pas qu'on se fera déranger. C'est bon, ça y est, on a notre lit. Parfait. Ça c'est bon. Ce qui est dommage du coup c'est qu'on peut pas sauvegarder la partie. Pour sauvegarder la partie il faut absolument qu'on ait un petit abri quoi. Ou alors... Oh, eh mais voilà, je dois faire une hutte. Il y a pas besoin de bûches. Excusez-moi, je suis un peu un imbécile. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je vais annuler le truc là-bas et puis on va faire une hutte à la place. Très bien. Bah là en tout cas, déjà on est safe. J'ai pas encore allumé de feu parce qu'il y en a pas besoin. Comment je fais pour annuler ça? Comme ça? Parfait. Du coup, on va faire ça, une petite hutte. Ah, elle est vraiment petite hein, pour le coup. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on puisse sauvegarder. Voilà. Il faut des bâtons, ça tombe bien, j'en ai déjà. Ah, là c'est bon, j'ai des bâtons. Tu vois l'avantage d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir ramené des bâtons ici. Non, c'est pas ça que je voulais. Casse-toi. Voilà. Régale-moi. Voilà. On les met. Et il en manque encore une. Oh non, il faut encore un bâton, sérieusement. Mais c'est une blague. C'est bon, il y en a là. Voilà. Hop. Les bâtons, c'est pour Bibi. Professionnel et bûcheron depuis 1985. Maintenant, il faut des longs bâtons. Excellent. Ah bah, il y en a un là. Parfait. Impeccable. Il en faut encore deux. Alors là, d'ailleurs, tant qu'on y est, on va ramasser les petits bâtons. Bon, déjà, on va pouvoir passer la nuit. Et en plus, on va pouvoir sauvegarder. Donc ça, c'est fantastique. Sauf si je meurs entre temps, mais je pense pas qu'il y ait de raison. On est quand même en zone safe ici, si je ne m'abuse. Là, ici, on peut casser ça. Impeccable. Oh, sangsue, santé mentale. Ok, je me suis fait attraper par une sangsue apparemment, les amis. Est-ce que ça me plaît? Pas vraiment. Alors, un long bâton, il y en a un là.
Il m'en faudra un deuxième. J'ai pas de chance, j'ai vraiment pas de chance. Les gars, je me suis fait attraper par une sangsue apparemment. Ça c'est un peu pénible hein. Alors je sais pas comment on va faire pour se soigner, mais on va voir ça ensemble les amis. On va découvrir. Long bâton, parfait. Et maintenant il nous faudra des feuilles hein. Ah, il faut de la corde, ça tombe bien, j'en ai. Voilà, et maintenant des feuilles de palmier. Encore des feuilles de palmier. Oh bah ça tombe bien, il y en a beaucoup. Est-ce que je peux casser ça? Oui, parfait. J'avais peur que je pourrais pas, mais c'est possible. Voilà, on récolte tout ça. On pose. Il en faut encore. Ça tombe bien, on en a plein. Ça fait plaisir, j'adore ce jeu, ça y est. Il en faut encore quelques-uns hein. Est-ce qu'il y en a qui traînent? Il y en a encore là. Et c'est tout, mais on peut encore en casser à côté, c'est bon. Voilà. Là, on a du palmier. On se croirait vraiment dans Koh-Lanta, mais... vraiment tout seul, quoi. Hein. Parfait. Et ben voilà, on a une hutte. Et donc, on va pouvoir, eh bien, sauvegarder. Ah, on peut même dormir. Oh. En fait, j'ai fait un lit pour rien. Bah, génial. Génial, génial. Alors ouais, sangsue, santé mentale, ouais c'est pas bon ça. Eh ben les amis, c'est un peu la galère. Bon en tout cas les amis, on va dormir et c'est là-dessus que ce second épisode de notre aventure sur Green Hell se termine. La nuit est en train de passer, je vais me réveiller à 2h15 du matin et je suis en train de perdre de la santé pendant la nuit, je le remarque. Ah c'est dommage. C'est dommage, alors comment je pourrais faire pour me soigner? On va vite fait se renseigner avant d'arrêter l'épisode. Et gratis, donc alors macro éléments, ça on s'en fout. Santé mentale, ah c'est la santé mentale qui a diminué, donc c'est ça qu'il faut. Consommation de produits possédant un anti-stress, mais ça j'en ai pas. Et un sommeil paisible améliore la santé mentale. Ah, bah visiblement ça n'a pas fonctionné. Égratignure, abrasion. Réduire votre condition, machin, ce n'est pas ça. Moi c'est vraiment, ah sangsue, voilà. Brûlant, diminuant la santé mentale. Traitement connu. Lacère votre corps. Ça veut dire quoi, lacère votre corps? Oh les gars, si déjà je sais même pas ce que ça veut dire. Lacère votre corps. Faut aller dans l'eau? Faut faire quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je vais me renseigner les amis. Je vais me renseigner entre cet épisode et le prochain. Ce qui est sûr, c'est que j'ai soif. Il fait nuit et j'ai très peur. Alors j'ai pas de feu qui est allumé, donc tant mieux, au moins j'attire pas l'attention. Je vais aller là, est-ce que je peux boire? Ce serait énorme. Oui, je peux boire. Nickel. Alors c'est génial parce que ça me remonte la santé. Et ben voilà. Alors l'eau est pas bonne. Je suis en train de me pourrir la santé, mais en même temps je me la remonte. Alors écoutez, on va en profiter. Hein. Hop. On va s'hydrater à fond. Et c'est là-dessus les amis que nous nous arrêtons pour cet épisode. Je vais aller dans l'eau. Peut-être que ça va manger les sangsues. Ça se trouve, ça veut dire ça, la série. Hein. Voilà, autant se en profiter. Oh, c'est beau. C'est excellemment beau. Ok, très bien. Je vais sortir. À mon avis, je vais avoir froid. Mais c'est pas grave parce que je peux me faire un feu. Très bien. Eh bien, les amis, c'est là-dessus qu'on s'arrête là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de notre aventure exotique, disons-le, sur Green Hell. C'était MKolo. Ciao, ciao tout le monde.